Bon, Julien, alors Philippe, si on vous avait dit ce matin que vous seriez deuxième de la Flèche Wallonne, vous n'y auriez jamais cru. Vous n'y auriez jamais cru hein. Oui, c'est sûr que je ne pensais pas. On avait vraiment un seul objectif avec l'équipe, c'était de placer Michel Kwiatkowski dans les premières positions au pied de la dernière ascension du mur de Huy. Donc j'étais vraiment, vraiment concentré là-dessus. J'avais pour objectif de suivre les attaques des coureurs dans l'ascension avant le mur de Huy, à 6 km de l'arrivée. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai vu que j'avais des bonnes jambes, donc je suis resté concentré, toujours à l'avant, et les trois derniers kilomètres, ça roulait très vite, c'était très nerveux, et voilà, Michel était derrière moi, c'était très bien pour l'équipe, donc on avait bien joué là-dessus, mais à la flamme rouge, j'ai eu un accrochage, je sais pas, ou un flottement, et Michel s'est retrouvé quelques positions derrière moi. Et j'arrêtais pas de regarder, mais je voyais qu'il était un peu bloqué ou je sais pas s'il avait des super jambes, mais moi je me suis retrouvé bien bien placé et j'ai vu que j'avais des bonnes jambes, que je pouvais encore aller plus vite et suivre les attaques. Donc à l'oreillette, mon directeur sportif Tom Steele m'a dit « Allez Julien, tu peux le faire, reste bien placé ». Et voilà, je me suis retrouvé dans la roue de Alejandro Valverde et j'ai vu que j'avais des bonnes jambes, mais j'ai regardé, j'ai vu 500 mètres de l'arrivée. J'y ai cru, mais voilà, les 200 derniers mètres, c'était horrible. J'étais plein de d'acide lactique dans les jambes. C'était vraiment une douleur très intense. Donc voilà, finir deuxième, c'est toujours une victoire, c'est toujours une défaite de terminer deuxième. Mais derrière Valverde, c'est quand même une belle performance, je pense. J'espère progresser dans l'avenir sur ce genre de course et pouvoir m'imposer à l'avenir. Ouais. Justement, ça faisait quoi dans la tête quand on vous dit « Allez-y, vous allez peut-être jouer la gagne et vous voyez qu'il n'y a plus que Valverde devant vous ?» Bah oui, c'est vrai. Mon directeur sportif m'a dit « Allez, Julien, you can do it. Stay in the front. » Putain, j'étais content qu'il me dise ça et je voyais que les gens me répondaient bien. Donc voilà, je regardais à droite, à gauche, je voyais Valverde, Moreno, des coureurs comme ça. Donc c'est la première fois de ma vie que je fais Flèche Wallonne, que je monte le mur de Huy. Donc C'est une découverte et de me retrouver pour la gang sur ce genre de course, c'est particulier. Voilà, c'est une bonne expérience pour la suite et j'espère que ça me servira pour les années à venir. Déjà dimanche dernier, en roulant pour votre leader Michel Kwiatkowski, vous avez pris la 7e place au sommet du Koberg. Aujourd'hui, 2e, il se passe quelque chose. Ouais, c'est vrai. Bah, après, il se passe quelque chose et il se passe surtout que c'est une période importante pour l'équipe, pour la période des classiques flamandes et ardennaises. Et aussi pour moi, c'est des courses que j'ai préparées qui me correspondent bien. Donc je me suis entraîné dur pour ça. Et on a une équipe solide au départ à chaque fois. Et voilà, sur l'Amstel, Michel a prouvé qu'il était très fort. J'étais le plus heureux de le voir gagner et de me retrouver avec lui dans un groupe de coureurs comme ça. Et là, voilà, aujourd'hui, c'était pareil, on avait un objectif avec lui. Et c'est une surprise et une satisfaction de me retrouver devant aussi. Ça prouve que le travail paye et que tous ces sacrifices et que c'est pas pour rien. Et la progression continue, donc j'espère vraiment que ça va aller dans ce sens-là. On en présente le mur de Huy comme l'une des arrivées les plus difficiles de l'année. Vous étiez entraîné justement spécifiquement pour ce genre d'arrivée? Vous étiez venu ici repérer? Non, je suis jamais venu ici. Hein. C'est la première fois que je fais la Flèche Wallonne et que je monte le mur de Huy. Mais voilà, chez moi, j'ai quelques bosses assez raides où je m'entraîne de temps en temps. Mais voilà, c'est vrai que pour simuler ce genre d'arrivée, c'est pas facile.